La paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de surnaturel et de prophétie avec l'apparition de la Vierge Marie à la Salette. Ça va changer un peu des vidéos d'actualité et de politique. Et même si vous n'êtes pas catholique, je pense que ça va quand même vous intéresser. Car tous les malheurs annoncés par Marie dans ses prophéties sont très actuels. Notre-Dame de la Salette et le nom donné à cette apparition mariale. Devant deux enfants au village de La Salette, le 19 septembre 1846. Le samedi 19 septembre 1846, aux environs de 15 heures, sur une montagne proche du village de La Salette Falavo, deux jeunes bergers, Mélanie Calva, âgée d'un peu moins de 15 ans, et Maximin Giraud, âgé de 11 ans, voient apparaître dans une lumière resplendissante une belle dame en pleurs qui s'adresse à eux. Le soir, ils en parlent à leur maître. La veuve Prat, dite veuve Caron, maîtresse de Mélanie, se dit d'avis qu'ils ont vu la Sainte Vierge, et on engage euh, les enfants à tout raconter au curé de la salette. Ils le font le lendemain dimanche au matin. Le curé pleure d'émotion, prend des notes, et, de nouveau en larmes, parle du fait dans son prône. A la base, les deux jeunes témoins ne se connaissaient pas. Ils ont été embauchés par des patrons pour garder des vaches dans la montagne. Mais ils ont comme point commun d'être très religieux. Pour rappel, le garçon avait 11 ans et la jeune fille 14 ans. Ça vous montre déjà la différence avec notre époque moderne où les enfants de cet âge sont plus souvent devant la télé ou les jeux vidéo que dans la prière. La France a vraiment perdu toute spiritualité. Elle a remplacé Jésus Christ par toutes sortes d'idoles matérielles qui rendent les gens de plus en plus débiles au lieu de les élever moralement et spirituellement. Aujourd'hui, les jeunes passent leur temps sur leur téléphone portable, à regarder des conneries et à discuter de choses futiles, au lieu de se cultiver en apprenant la vraie histoire de France, par exemple. Ils comprendraient alors à quel point il est vital de garder nos traditions et notre religion chrétienne. Enfin bref, aujourd'hui on préfère aduler Neymar ou Cristiano Ronaldo, plutôt que Jésus-Christ. Les deux enfants, au moment de l'apparition, s'amusaient à construire un petit paradis avec des fleurs. Oui bon, j'avoue, c'est moins badass que de massacrer des gens sur Call of Duty. Enfin bref. La Vierge Marie est apparue dans ce petit carré de fleurs sans le détruire, avec toute la légèreté et sa grâce habituelle. Les deux enfants étaient très peu instruits. Au début, la Vierge Marie parlait en français, mais comme ils ne la comprenaient pas bien, elle finira son discours en patois. C'est d'ailleurs assez drôle d'imaginer la Sainte Vierge parler en patois. Mais bon. C'est comme ça elles devaient s'adapter aux enfants. Ils mettront ensuite par écrit, chacun de leur côté, ce que la Vierge Marie leur a dit, et leurs témoignages seront exactement les mêmes. Et le plus troublant, c'est qu'ils emploieront des mots et des expressions qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'enfants de cet âge. Surtout qu'ils n'avaient reçu aucune éducation. Il y a des expressions très symboliques que seuls les grands mystiques et théologiens peuvent connaître. Le garçon par la suite a eu une vie simple, voire assez dure, comme pas mal de gens de son époque, mais il est toujours resté fidèle à son témoignage. Il ne l'a jamais remis en cause, alors qu'il aurait pu devenir riche. En effet, certains journaux anticléricaux lui proposaient de grosses sommes d'argent pour qu'ils disent que lui et son ami avaient tout inventé, afin de discréditer l'Église. Mais il n'a jamais cédé car son amour pour Dieu et la Sainte Vierge était plus fort que tout. Quant à la jeune fille, elle s'est passionnée pour la politique, en dénonçant avec force le complot maçonnique. C'était une sœur complotiste quoi, une antisémite nazie. On voit bien la différence avec les chrétiens d'aujourd'hui, dont la plupart ont été endoctrinés par l'idéologie maçonnique, et qui adhèrent totalement à la République. Il y a même des partis chrétiens et républicains, ce qui est une aberration en soi, puisque la République laïque franc-maçonne est profondément antichrétienne. Et pour rappel, elle a juste décapité le roi de France, qui est le lieutenant du Christ sur Terre. Sans oublier le génocide vendéen et les centaines de milliers de catholiques massacrés par les révolutionnaires. Et c'est cette même République qui aujourd'hui pervertit l'esprit des gens en inventant un tas de lois immorales et antichristes. Mélanie était royaliste, c'était une vraie combattante du Christ, qui n'avait pas peur de s'attaquer aux racines du mal, la franc-maçonnerie républicaine. Et à cette époque-là, certaines couilles molles d'ecclésiastiques lui ont beaucoup reproché. Je comprends à mon petit niveau ce qu'elle a vécu, car souvent on me reproche exactement la même chose, qu'il ne faut pas lier la politique au spirituel. Or pour moi les deux sont liés. Si on veut que la France redevienne chrétienne, cela passe d'abord par un combat politique et idéologique. Il faut que l'Église retrouve ses couilles en défendant ses valeurs avec acharnement plutôt que de se laisser bouffer par l'idéologie républicaine. Si Dieu le veut, nous l'emporterons face à ces élites démoniaques. Mais ça ne se fera pas sans aucun effort de notre part. Il faut rester fidèle à Dieu par la prière et la sanctification, mais il faut aussi répandre le message du Christ autour de nous, en dénonçant en même temps le mal là où il se trouve. Ce monde de mensonges doit être combattu spirituellement et politiquement. Si les chrétiens ne défendent pas le Christ et la France, personne ne le fera à leur place. Il est temps de relever la tête et de se battre pour ce que l'on est. Les religions ont essayé de faire taire la jeune femme en l'obligeant en quelque sorte à vivre dans un couvent, mais elle n'a jamais pu s'y faire. C'était une combattante, pas une religieuse. C'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle mène son combat politique. Mélanie, très fatiguée par ses différentes luttes tout au long de sa vie, finira par mourir en 1904. Intéressons-nous maintenant plus en détail à l'apparition et à cette fameuse prophétie de la famine, qui a en effet touché l'Europe au milieu du 19e siècle. Les Irlandais, par exemple, ont souffert de la famine de la pomme de terre, qui a causé un grand nombre de morts et une émigration massive d'Irlandais aux États-Unis. La Sainte Vierge apparut donc aux deux enfants et leur dit ceci. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le retenir. Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesanti tant la main de mon fils. Ceux qui conduisent des charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils. Ce sont les deux choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait savoir, l'année dernière, par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à pourrir, et à Noël, il n'y en aura plus. Ça c'est pour la partie en français, et en patois elle dit ceci. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sémerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants en dessous de ces temps prendront un tremblement, et mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine les noix deviendront mauvaises, et les raisins pourriront. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? Dans le sens littéral, Marie annonce des événements historiques qui ont vraiment eu lieu, mais dans un sens plus profond et symbolique, elle annonce surtout cette famine spirituelle qui règne aujourd'hui en France et en Europe. Le matérialisme à remplacer Dieu dans le cœur des hommes, surtout chez les jeunes générations où le taux de suicide ne cesse d'augmenter. Et c'est normal, puisque cette vie sans spiritualité n'a pas de sens. On vit pourquoi au final, juste pour consommer et mourir Si c'est le cas, nous sommes comme des animaux. Or l'homme vaut bien plus qu'un animal, puisque son cœur est fait pour aimer Dieu. Et c'est en trouvant une certaine paix intérieure par la spiritualité qu'on peut construire une société plus sereine et plus juste. Aujourd'hui, on nous dit que pour réussir sa vie, il faut faire de longues études pour gagner beaucoup d'argent. Limite, euh, si on n'a pas d'argent de nos jours, on n'est rien. On a oublié que les vraies richesses étaient celles de notre cœur, qu'il nous faut adorer Dieu et prendre soin de notre prochain, de notre famille, de nos amis et de notre pays. Le matérialisme athée, tant vanté par nos dirigeants francs-maçons, nous éloigne de plus en plus de nos racines et de notre religion chrétienne, qui est l'âme de la France. Cette famine spirituelle est en train de détruire la France, et ça il faut bien le comprendre, et c'est ce que voulait dire la Sainte Vierge Marie à ses deux enfants qui symbolisent le peuple français. Si le peuple aujourd'hui connaît tant de malheurs, c'est avant tout de sa faute, car il est devenu un peuple trop individualiste. Les gens sont devenus égoïstes, ils n'ont plus la charité dans le cœur c'est-à-dire l'amour pour Dieu et le prochain. Marie fait allusion au fait que les Français ne vont plus à l'église le dimanche. Ils ont abandonné Dieu. Tous les jours de la semaine sont consacrés à leurs petites personnes, y compris le septième. D'ailleurs, la loi sur le travail du dimanche symbolise bien cet abandon de la foi par le peuple français. Pire même, on se moque de la religion et de Dieu. Surtout à la télévision où c'est devenu une mode de se moquer du Christ et des chrétiens. Maintenant, si tu dis que tu es chrétien, tu passes pour un ragard, voire même un illuminé. Certains vont se moquer, tandis que d'autres vont carrément t'insulter ou te traiter avec mépris. Je pense que la plupart des chrétiens ont déjà vécu ça. Cette christianophobie qui est bien sûr entretenue par nos élites franc-maçonnes, qui veulent éradiquer le christianisme en France. Dieu pourrait libérer la France de toutes ces élites corrompues, qui nous mènent à l'abattoir. Mais il ne le fera pas, tant que les Français n'auront pas compris qu'ils doivent revenir à lui. Au XIXe siècle, il avait puni l'Europe en n'empêchant pas les famines et les épidémies. Et de nos jours, il nous punit en laissant cette franc-maçonnerie luciférienne nous dominer. C'est ça le bras puissant de Jésus, que Marie n'arrive plus à retenir. Pourtant, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Juste de ne pas l'oublier en priant de temps en temps, comme nous le rappelle Marie en demandant aux enfants s'ils font bien leurs prières. La Sainte Vierge a aussi confié un secret à la petite bergère Mélanie, qui contient aujourd'hui plusieurs prophéties pour la fin des temps. Le style de ce secret est apocalyptique, ça veut dire qu'il fait référence à certains passages de l'Apocalypse de Jean, comme l'apparition de l'antéchrist, qui est décrit comme un fléau envoyé par Dieu. Je vais vous lire quelques prophéties qui peuvent correspondre à notre époque. La première concerne le pape, les chrétiens et l'Europe. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonges et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français. L'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Donc la Marie annonce clairement qu'une guerre civile décimera l'Europe, et que juste après ça, on aura une troisième guerre mondiale très meurtrière. Et de nos jours, on a tous les signes de cette guerre civile en Europe, avec ces tensions entre communautés, et surtout cette invasion migratoire qui fera bientôt sombrer euh, tous les pays d'Europe dans le chaos, sans parler de cette crise économique qui pointe le bout de son nez. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement, jusque dans les maisons. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Et d'ailleurs, d'autres prophéties annoncent la destruction de Paris et de Marseille. Le précurseur de l'Antéchrist fera son apparition et voudra être vu comme le nouveau Dieu. Les saisons seront changées, l'atmosphère aussi. L'eau et le feu donneront au globe de la Terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes, des villes. Les astres et la lune n'auront plus la force de briller. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Donc là, Rome euh, désigne en fait cette vieille Europe latine qui aura totalement abandonné sa foi en Dieu. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. Donc malgré le règne de l'Antéchrist, une poignée de croyants résisteront et continueront à prêcher l'Évangile. Il y aura même deux témoins qui ressusciteront pour euh, prêcher l'Évangile. Et grâce à la protection de la Sainte Vierge, ce petit groupe de croyants survivra, jusqu'au retour du Christ qui lui donnera la victoire. Et pour finir, euh, je vais vous lire une autre prophétie sur l'Antéchrist. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse Vierge. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il se nourrira que d'impureté. Il aura des frères, qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants du mal. À douze ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu'ils remporteront. Bientôt ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Donc là, on comprend que l'antéchrist sortira du monde judéo-chrétien. De l'Occident, donc. Puisqu'il est dit que sa mère sera juive et son père chrétien. Les frères font référence à la franc-maçonnerie, qui contrôle aujourd'hui le monde grâce à la puissance de Lucifer. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Vous pouvez trouver de toute façon toutes ces prophéties de la salette sur Internet. Après, il faut rester très prudent au niveau de l'interprétation. Parce qu'il y a des prophéties qui peuvent être comprises au premier degré et d'autres qui ont un sens plus spirituel. Mais en tout cas, le message de Marie est clair. Il faut à tout prix rester fidèle à Dieu pour sauver son âme. Le salut de la France viendra de sa foi en Jésus-Christ. Soyez bénis.